Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vous présente le projet d'extension de l'Université de Thiès. Ce projet, d'un coût de plus de 5 888 millions de francs CFA, entre dans le cadre du projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats PGFSUP, financé par un prêt de la Banque mondiale. Sous la maîtrise d'ouvrages délégués de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, ACBEP, le programme de construction a été conçu par l'Université de Thiès elle-même et concerne différents établissements. Au niveau du campus principal seront construits l'UFR Sciences et Technologies, l'Institut universitaire de technologie, l'UFR Sciences de l'ingénieur et la bibliothèque universitaire. L'UFR Sciences et Technologies comprend un amphithéâtre de 300 places, deux salles de cours de 100 places, deux laboratoires et une salle multimédia. L'Institut universitaire de technologie comprend un amphithéâtre de 200 places, 10 salles de cours de 50 places, deux laboratoires, une salle multimédia et un bloc administration. L'UFR Sciences de l'ingénieur comprend un amphithéâtre de 200 places, 10 salles de cours de 100 places, un laboratoire, une salle multimédia et un bloc administration. L'UFR Sciences économiques et sociales, l'ENSA et l'ISFAR bénéficieront chacun d'une salle multimédia. Au niveau de l'UFR Sciences de la santé, seront édifiées 8 salles de cours de 100 places, 6 bureaux de professeurs, un amphithéâtre de 350 places, une salle de téléenseignement et une salle de télémédecine. Il sera aussi construit une bibliothèque universitaire, un rectorat et un hôtel de l'université. Les travaux sont prévus pour une durée de 18 mois. En sus de ce projet, le ministère a inscrit dans son budget consolidé d'investissement 2015 la construction d'un amphithéâtre de 250 places en préfabriqué, de 3 grandes salles de 100 places, de 26 laboratoires de travaux pratiques et l'achèvement du bâtiment de l'IST pour un coût total de plus de 800 millions de francs CFA. Ces nouvelles infrastructures permettront à l'Université de Thiès de continuer dans la voie de l'excellence.